les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous montre cette petite palette. On va tester aujourd'hui les fards de la palette Exotic Pop. Donc c'est une palette que j'ai trouvée sur le site King Beauty Shop. Alors je suis tombée par hasard sur ce site via une pub Instagram et elle proposait une réduction à ce moment-là sur la palette exotique. Donc King Beauty Shop est un site de vente de maquillage créé en 2018. Donc les produits sont non testés sur les animaux, vous avez le petit logo qui est ici, donc ça c'est super important. Bon là on est en plein confinement, donc au niveau livraison je sais pas si c'est normalement les délais qui doivent être comme ça ou si c'est toujours long ou je ne sais pas. Sachant que je l'ai reçue, je pense que je l'ai commandée il y a un mois. Elle n'avait pas été prise en compte tout de suite. Enfin, je sais pas, il y avait un petit souci à ce niveau-là, mais je pense que c'est assez exceptionnel. À partir du moment où j'ai eu un mail comme quoi la commande a été expédiée, je l'ai quand même reçue relativement rapidement. On va compter à partir du moment où j'ai reçu le mail. Une semaine et demie, enfin je sais pas exactement, je saurais plus vous dire. Donc la palette Exotic Pop se compose de 88 teintes, donc vous avez du mat, de l'irisé, du pailleté, des paillettes pressées, enfin vous avez un petit peu de tout, il y a énormément de couleurs et de teintes et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc je l'ai eu en promotion, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour accéder au site, sachant qu'il y a pas mal de promotions, donc ça change, il y a des articles qui sont plus en promotion que d'autres. J'avais vraiment hâte de tester cette palette, hâte de la recevoir, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai utilisé comme d'habitude la gamme Golden Rose avec le primer matifiant. J'ai utilisé le fond de teint HD Fondation, le concealer HD Haute Définition et j'ai utilisé la poudre libre de chez Golden Rose également. Et pour le bronzer, le blush et la lighter, comme d'habitude, j'ai utilisé la palette de chez Golden Rose avec les trois réunis en une seule palette. Donc on va tout de suite démarrer avec les yeux. Donc pour cette vidéo, je vais plutôt faire des teintes assez chaudes. Alors j'ai envie pour cette vidéo de faire un petit arc-en-ciel de couleurs, de démarrer du jaune vers l'orangé, le rose, le violet, le rouge, enfin voilà, faire vraiment un dégradé de couleurs. Donc je vais commencer par la teinte la plus foncée. Alors je prends mon petit pinceau et je vais prendre la teinte, je sais pas du tout niveau pigmentation ce que ça donne, donc alors je vais démarrer mon make-up par un petit marron dans le coin externe de mon œil, donc je vais utiliser la teinte Earth qui est ici. Ce qui est bien, c'est que vous avez un miroir avec la palette, ça c'est vraiment pas mal. Alors ils disent qu'ils ont une forte pigmentation, donc j'en ai pas mis trop parce que j'ai un petit peu peur que ce soit trop fort justement. Bon, c'est un petit peu trop clair, c'est un marron beaucoup plus foncé que je voulais. Donc je vais tester le mocha qui est un peu plus foncé. J'ai swatché donc sur le bras de mon homme qui m'a servi de cobaye quelques teintes que l'on peut retrouver sur la palette. Moi je les ai pas fait parce que étant donné que je suis tatouée au niveau de mes bras, j'ai fait qu'un tout petit bout. Donc je vais prendre la teinte mocha sur la palette et je vais tenter donc du coup d'en mettre dans le coin externe. C'est pas encore le marron foncé que j'aurais voulu. Donc la teinte mocha, c'est celle-ci. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. En fait, il est pas mal, mais étant donné que j'ai déjà mis un autre fard en dessous, ben, il est plus clair du coup. Sinon, vous voyez, sans matière en dessous, il était vraiment marron. Franchement, autant les swatchs sur le bras, je me suis dit ouais, c'est pas trop pigmenté. Autant là sur les yeux, franchement, ça va. Ils sont plutôt pas mal. Alors, je vais venir étirer un petit peu pour vraiment pas me faire un truc trop rond. Alors, il y a des chutes, comme vous pouvez le voir, mais ça, on les enlèvera après. Faut savoir que tout ce qui est fard très pigmenté, la plupart du temps, il faut vous attendre à des chutes. Quand ils sont pas très pigmentés encore, bon, on peut les travailler et en mettre de plus en plus. Mais quand ils sont très pigmentés, souvent, ça fait des chutes. Bon, après, c'est pas... si vous avez déjà, si vous n'avez pas encore fait votre teint, bah voilà, vous nettoyez. Si vous avez déjà fait votre teint, normalement, si vous prenez un gros pinceau et que voilà, vous faites ça, voilà, elles s'en vont et il n'y a plus rien.
Je vais venir flouter un petit peu, donc je reprends pas de matière, hein, mais je viens juste flouter le marron, pour que ça se fonde un peu. Bon, je reprends un peu de matière pour faire mon côté gauche. Quand c'est fait, je viens prendre du violet, le scarlet comme teinte pour mettre juste après le mocha. Pareil, j'en prends pas trop parce que c'est la première fois que j'utilise la palette, je ne la connais pas. Je dépose d'abord comme ça et après je viendrai un peu flouter. Et quand c'est fait, hop, je floute pour mélanger les deux couleurs ensemble. Et pour estomper aussi. Ensuite, je vais venir mettre un peu de fuchsia, donc c'est cette teinte-là. Juste après, donc le scarlet que j'ai mis. Alors, faut savoir que j'ai pas mis de base. Hein. J'ai pas mis de base à paupières. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait sans. Donc j'ai mis uniquement ma base de teint et le concealer, c'est tout. Et j'ai poudré bien entendu. Et pareil, je mélange le fuchsia au scarlet. Je mélange toujours avec ma teinte qui était juste avant, quoi, pour vraiment avoir un fondu de couleur. Alors, je prends un pinceau un peu plus grand pour vraiment flouter le haut là. Ensuite, je vais prendre un. Est-ce qu'il y a un orange ici? Ah, il n'y a pas vraiment d'orange pétant. Il y a un écho. Je vais prendre le écho. Donc ça va y faire un petit peu orangé comme ça. On n'accroche pas vraiment, j'ai l'impression, l'écho là. Un peu de mal à se mettre sur le. Bon, en fait, plus je travaille, plus il se barre. Quoi. Ouais, il s'en va. Il s'en va. Bon. Bah, je vais quand même me mettre de l'autre côté pour faire un mélange parce que sinon il est très poudreux par contre celui-là. Dès qu'on le floute, terminé, il n'a plus quoi. Ouais, il s'en va en fait, il s'estompe. Lui par contre il est pas. Les autres ça va, mais cette teinte là, elle est vraiment pas top. On la voit hein, mais elle s'en va. Je vais essayer de mettre la automne. Qui est juste ici. On va essayer. Elle est un peu plus claire. On dirait du pollen limite. Un peu plus orangé, mais on dirait du pollen, c'est marrant. Et pareil, je viens mélanger les deux couleurs. Ouais, par contre, elle s'estompe. Il faut limite pas trop toucher quoi. Dès qu'on floute les deux. Enfin, c'est clair que vous n'aurez pas de démarcation là, par contre. Je pense que si je mettrais une base à paupières ou un concealer directement, les teintes devraient être beaucoup plus fixé que là. Après niveau chute, franchement pour les autres couleurs, à part la couleur du début, sinon niveau chute, je suis pas. Il n'y en a pas tant que ça. Ça va. Je vais mettre du jaune, donc le sunshine. Dans le coin interne de mon œil. Bon, par contre, j'ai pas mal de chute là. Bon, de toute façon, limite, il n'y a même pas besoin d'estomper tellement que ça va tout seul quoi. Franchement, pour ceux qui ont un petit peu du mal à travailler les teintes, à vraiment bien les flouter et tout ça, ça peut être pas mal parce que c'est pigmenté, mais ça se floute très très facilement. Là par contre, juste avant, je disais que ça allait au niveau des chutes, et là, là il y en a un. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le rendu par contre. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. On continue, je vais venir faire le dessous de mon œil, donc je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Je vais reprendre les mêmes couleurs, donc je vais reprendre du mocha, que je vais mettre vraiment dans le bas ici. Donc je reprends du scarlet.
Je reprends directement le automne, je vais pas passer par le écho. Et je vais prendre le sunshine. Ça nous fait un beau petit dégradé de couleur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre un peu de crayon blanc dans ma muqueuse inférieure. Voilà. Et maintenant, le mascara. Le mascara c'est fait. Je vais venir mettre un peu d'highlighter juste en dessous de mon sourcil. Et j'en mets juste ici. Je vais prendre un plus petit pinceau encore et je vais venir en mettre dans le coin interne de mon œil. Et maintenant, je vais venir mettre du rouge à lèvres. Voilà, c'est fini pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ce qui concerne la palette, donc pour rappel, elle est non testée sur les animaux, elle a 88 teintes. Pour ce qui est de mon ressenti au niveau de la palette, donc bon, j'en suis contente. Pour le prix, ben voilà, on arrive quand même à avoir un très très beau make-up. Je vous laisse mon petit code promo qui s'affiche juste ici. Vous bénéficiez de 8% de réduction supplémentaire sur votre commande. Le lien pour aller sur la boutique, je vous laisse dans la barre d'infos. Sinon voilà, je suis quand même contente de mon rendu. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus flash les couleurs. Maintenant, bon voilà, comme j'ai pas mis de base ni rien, en dessous ça a été poudré. Donc bon voilà, peut-être que c'est ça aussi qui joue. J'essaierai peut-être une prochaine fois de le faire avec un primer. Mais voilà, je suis quand même assez contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à me dire une fois que vous l'avez reçu et tester ce que vous en avez pensé. Pour celles qui l'ont déjà, n'hésitez pas à commenter aussi. Comme d'habitude, on s'abonne, on met un petit pouce bleu si ça nous a plu et on partage la vidéo si vous en avez l'envie, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Hey, no, no, no.